Allez, salut les potos, bienvenue sur Stick de Geek. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mike, ça fait un bail qu'on s'est vu. Salut à tous. Ça va ? Oui, ça fait un sacré bail. Bah ouais, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va très bien, mais tu me sembles différent. Ah, parce que je sors d'une soirée disco, c'est pour ça, tu parles de mon masque lumineux ouais. Comme ça. Moi je trouve que c'est pas mal, non ? Ça en jette, hein ? Et bah je trouve qu'il est plutôt classe ton masque. Hein, vous en pensez quoi les gars ? Il déchire, non ? Bah moi, j'approuve totalement. Ouais, ouais. Alors, on va vous retrouver ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce soir ? Et bien, on va faire un truc de super intéressant. C'est qu'on va vous montrer des rail shooters. Du coup, 3 rail shooters. Stick, je te laisse annoncer les titres. Ouais, donc 3 rail shooters sur arcade. Donc, on va commencer par Virtua Cop 2, sorti en 1995 sur bande arcade. Et après, sur Sega Saturn, il est sorti, il me semble. Ouais, c'est ça. Ouais. Ensuite, on va faire House of the Dead, sorti en 1996, et aussi porté sur Saturn. Et pour finir, je te laisse. Et bah pour finir, on va vous montrer le Silent Hill, du coup, The Arcade, le seul rail shooter de la série Silent Hill, donc fait par Konami, et sorti au Japon en 2007 et en Europe en 2008. À mon avis, vous devriez bien aimer parce que bah, c'est quelque chose d'exclusif, c'est le premier rail shooter Silent Hill à être sorti. Ouais. En arcade. Et il est très fidèle. Hein, Il est fidèle à l'univers, ouais. Et il est jamais sorti sur console. Du coup, c'est une exclusivité arcade. Ouais. Donc, bah, ça va être un plaisir de le découvrir, ce jeu-là. Exactement. Parce que moi, étant fan de Silent Hill, ça me parle, quoi. Ça me parle et j'ai vraiment envie de le découvrir. On va pouvoir voir, du coup, tes talents qui gonnent à la main. Ah, mais attends. Moi, tu sais que j'ai fait faire doubleur de Nicolas Cage dans Volteface. C'est beau, hein. Ah bah, non mais gars. Ouais, moi je suis fort trop moi avec un flingue, faut pas me mettre un flingue dans les mains. Hein. Ah, donc bah, écoute, donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Bah ouais. Et puis, bon, on va se lancer. On va se lancer. Ok. C'est parti. Allez, c'est parti. Donc là on est parti, on a lancé Virtua Cop. Donc une petite partie. On va vous montrer la première mission. Alors là, on a 3 niveaux de difficulté, beginner, medium et expert. On va peut-être en beginner pour commencer. Oh, petit joueur, Mike, petit joueur. Allez, c'est parti. Donc le principe, c'est de tuer les ennemis. Avant que le cercle devienne rouge, il y a 3 transitions de couleurs. Ça va du bleu, vert, au rouge. Et du coup, donc faut tirer bien avant le rouge. Il faudra faire attention, il y a des civils aussi, voilà, comme là. Donc c'est du one shot, hein. Clairement c'est du one shot, c'est des enchaînements de kills pour gagner des points. Hein, c'est bien ça, Mike, hein. C'est bien ça. Et du coup, voilà. On vous montre la première mission. Ah, il faut pas hésiter à recharger très régulièrement. Et donc tu recharges comment ? C'est en baissant le flingue ou faut appuyer sur un bouton ? Il faut... on peut recharger en appuyant sur un bouton ou hors écran aussi. D'accord. On peut aussi tirer sur des persos qui sont... qui ont pas besoin d'être entourés, ça permet de faire quelques points en plus. D'accord. Donc comme vous voyez, voilà, il suffit juste de tirer une fois, de le toucher une fois. Ah là, et il meurt. J'ai été gêné par la petite vitrine, du coup je me suis pris une balle. C'est à base de one shot quoi. Et le jeu ne pardonne pas. Hein. Hmm. Là, on voit qu'il y avait un civil. Bon, ça a l'air de se passer comme sur des roulettes, hein. Apparemment, Mike. Hein ? Bah, apparemment, oui, je me suis pris une balle à l'instant. Bon, le mode beginner, ça a l'air d'être tranquille. Ouais, c'est tranquille. Et là, ils apparaissent rapidement, hein, je trouve, hein, quand même, ah les, oui, les bonhommes. Rapidement. Voilà, attention. Ouais. Là, des fois, il y a des petits pièges. Hein. Il faut bien être concentré. Ok. Et puis, bah, après, voilà. Bon, il y a une petite mise en scène. Ouais. Hein. Là, on est sur. Là, on est sur le deuxième. Sur une course-poursuite. Voilà. Hein. Course-poursuite.
Alors là, ce qui est très dur, c'est que là, les personnages sont en mouvement. Ouais, ils sont mobiles. Et là, c'est déjà un peu plus compliqué pour leur tirer dessus. D'accord. Du coup, voilà. Tu veux nous montrer un petit peu plus ou on s'arrête là? Bon, on s'arrête là. On va pouvoir s'arrêter là, oui, ça me ferait pas mal. Ça marche. Bon, bah, on passe au jeu suivant alors. Et c'est parti pour le premier niveau. C'est parti pour le premier niveau de House of the Dead. Donc un grand classique hein, de l'arcade, hein, sorti en 96. Exactement. Très très beau. Le premier jeu avec les démembrements, c'est ça hein, Mike? Ouais, les démembrements des zombies. Ça veut dire on fait péter la tête, les bras. Très bonne interaction. Ambiance très sympa. Et dans ce jeu-là, beaucoup d'innocents à sauver. Hein. Waouh. Et dans celui-là, alors dans ce jeu, il faut vraiment mitrailler. Ça veut dire démembrer les zombies au max. Ouais, faut pas hésiter à canarder quoi. Ouais, pour pas se faire manger quoi. Et pas. Très mobile hein, les ennemis. Hein. Ouais. Ils sont très vifs. Hein. Et la vie c'est représenté par les petites torches qui est en bas. D'accord. Sophie! Bon bah s'est fait kidnapper. Et voilà. Donc là on peut voir qu'il y a un mélange de 3D. Merde! Ouais. Tu viens de tout le. Tu as buté. C'est comment? Numéro 1. Okay. Tu as totalement buté l'innocent. Ouais, j'ai fait un gros fail des familles. C'était un fail énorme. Ah bah c'est mieux d'ailleurs. Truc explosif là. Ouais. Il y a aussi des petits bonus de cacher à droite à gauche. Dans certaines caisses par exemple. Et dans ce jeu là, des fois il y a des chemins secondaires. Ah ces zombies sont particulièrement affreux. Et je le trouve joli quand même, malgré son âge. Hein. Ah bah franchement... Il est très fin. Hein, il est très très fin, hein, je veux dire... Il n'est pas du tout pixelisé, il est tout lissé, il est vraiment très très chouette. Quoi. En tout cas, la mise en scène, elle est là. Hein. Ouais, ouais, une bonne mise en scène. Ah ouais, lui, il est coriace. Une bonne variété d'ennemis aussi. Oh, t'as vu, je lui ai fait un trou dans le buffet. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, cette interactivité-là se perd progressivement au fil des jeux. Genre dans le 3 et le 4, dans le 4, il n'y en a quasiment pas. Ce qui est quand même dommage. Ah, ça manque de réalisme du coup sur les derniers. Ouais, c'est... Il y a moins ce côté démembrement. Du coup, moi, je trouvais ça un peu dommage personnellement. C'est ce qui faisait un petit peu le self-fait du jeu, je trouve. Donc sur celui-ci, on peut jouer à deux joueurs. Sur celui-là, on peut jouer à deux joueurs. Et le but du jeu, c'est de survivre dans une maison infestée de zombies. Du coup, le nom House of the Dead. Hey, je l'ai tué, lui. Ah, il fallait ouvrir la porte, je pense. Ah non. J'ai dit des bêtises. Hein. Oula, tu t'es fait découper par un mec barbu à tronçonneuse. Bah en fait, plus ils sont gros, plus ils encaissent. Ah, t'as pas beaucoup de répliques, hein, ça s'enchaîne. Ah, ça s'enchaîne. Alors ça, c'est là, ils sont atroces. Les sangsues. Les sangsues, là, à viser, c'est une calamité. Hein. Oh la vache. Allez, c'est parti pour Silent Hill Arcade, les copains. Ça va être une belle découverte, je pense. Donc là, on peut voir une petite cinématique d'intro. Apparemment, différents protagonistes qui vont à Silent Hill. Et on retrouve la musique hein, de Silent Hill 2. Ouais, le thème de Laura. La super bande son, ouais. Allez, c'est parti. Alors là, tu vas appuyer sur le petit numéro 1 du clavier. Ok. Et encore une fois. Encore une fois.
On est bon ou pas? Et si jamais tu veux passer la cinématique, et ben il faudra que tu rappelles encore une fois. Donc là, faut attendre ou... Ouais, ça va se lancer. Donc là, on choisit One Player. Ouais, alors là, appuie du coup sur le numéro 1. Ok. Et là, numéro 1. D'accord. Je regarde juste l'intro vite fait, voir ce que ça donne. Ah ouais, sympa. Donc le mec, il se fait... Ah d'accord, c'est un rêve. Comme toujours. Un mauvais rêve. Non, tu veux tirer avec les guns, ça... Donc ça là, le mec, il se retrouve à Silent Hill, et c'est parti. Donc là, bon, on retrouve le brouillard de Silent Hill. Le fameux brouillard épais et dense. Donc déjà, le bestiaire, on peut remarquer qu'il est différent. Hein. Ouais. Hein, il y a ces hommes-là, là, ces monstres, on les voit pas hein, dans les trois premiers. C'est vrai. Mike, t'en penses quoi de ces trois rail shooters? Et ben verdict, et ben là on est tombé sur deux classiques, deux grands classiques du coup de l'arcade incontournable. Je veux dire des jeux intemporels. Hein. Intemporels. Mm. Du coup le premier House of the Dead. Excellent, j'ai kiffé. Ouais, franchement, bien joué. Hein. C'est un jeu que j'avais connu dans les fêtes foraines à l'époque. Mm. Exact. Et c'est vrai que là, le fait d'y rejouer, c'était bien. Moi, je l'avais connu à Super Loisir, la salle d'arcade. À Tours De Tours, qui était là dans les années 90. Mm-hmm. Je l'ai connu ici, ce jeu-là. D'ailleurs, moi, je restais scotché devant la démo du démembrement des zombies qui était révolutionnaire pour l'époque. Ouais. Ah, c'est vrai que les démembrements sont assez bluffants. C'était super bien fait. Ouais, je suis d'accord.
Après, bah, on a testé le petit Virtua Cop 2, qui est aussi un excellent jeu. Alors là, qui a un gameplay un peu différent d'un House of the Dead, où là, il faut vraiment tirer une balle par ennemi. Avec un système de ciblage, au début on croit que c'est facile parce que ça cible automatiquement, mais au final pas du tout. Vraiment être très précis et ne surtout pas tuer les innocents, bah, un petit peu comme dans House of the Dead en fait, pas tuer les innocents. Mais là dans Virtua Cop 2, ça pardonne pas un tir et tac quoi. Et puis moi je trouve qu'en fait ils ont pas trop mal vieilli en version arcade, je trouve. Oui, ça reste quand même des jeux tout à fait convenables. Franchement, ça va quoi. C'est vraiment bien, c'est encore agréable à jouer. Le fun en fait, il revient tout de suite. Le fun il est. Sur ce jeu là, de toute façon, c'est indémodable. Il revient immédiatement. Ça, c'est clairement. Et puis pour finir, cette petite curiosité de Konami, donc le spin-off, un spin-off de Silent Hill, moi j'ai trouvé ça plutôt sympa. Bah moi franchement, bon, c'est pas un jeu qui va casser des briques, mais pour le côté inédit du jeu, il est quand même sympa. Disons que c'est très fidèle, très respectueux des 4 épisodes Silent Hill qui étaient sortis sur PS2. C'est très respectueux de l'univers et puis c'est. Voilà, Xbox. Ça détend en plus, c'est un jeu d'arcade, du coup les jeux d'arcade en général c'est dans quoi, ça dure 30-45 minutes pour un rail shooter. Voilà, on passe un bon moment. C'est pas non plus un vrai jeu, un vrai triple A, hein. C'est pas un vrai jeu de la licence, mais c'est un jeu plutôt sympa. Tu vois quand même que c'est pas le même budget, c'est quoi. C'est pas le même budget, mais voilà. Il mérite d'exister, hein, franchement. Il mérite d'exister. On retrouve un peu cette ambiance un peu morbide, angoissante. Au niveau des bruitages, c'est pas mal, je trouve. Ouais, au niveau des bruitages. Des armes, des monstres. Ça va. Après, graphiquement, il casse pas des briques, hein, ça c'est clair. Mais au moins, pour ce genre de jeu, je trouve que c'est pas trop mal pour un spin-off. On retrouve l'ambiance de Silent Hill. Et puis apparemment, il y a l'air d'avoir une petite trame scénaristique aussi, malgré tout. Hein. Ouais. Donc, je pense qu'il faut le creuser, quoi. Je pense que je le creuserai avec toi prochainement. Ouais, et puis, pourquoi pas le terminer tous les deux, quoi. On se le signera tous les deux, et puis comme ça, on verra un peu tous les boss. Et puis voilà, c'est un bon moment à passer. Du coup, voilà. C'était les fameux rail shooters. Voilà. Si ça vous a plu, certainement on fera une prochaine session rail shooter. On va présenter d'autres rail shooters. Pas de problème, parce que j'en ai pas mal en stock. Du coup, ça peut être carrément cool de présenter d'autres rail shooters un petit peu inédits ou même des grands classiques. Ouais, carrément. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter. Et puis, Mike, moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Écoute, avec plaisir. Allez, merci de nous avoir suivis. À bientôt. Et surtout, sautez sur votre stick de geek.